Et un dernier diplôme universitaire de troisième cycle sur le goût à la faculté des sciences à Reims. J'ai été nommé en 99 expert biérologue. Le mot biérologie et le mot biérologue sont rentrés au Larousse le 18 mai 2018. Donc c'est pour ça que je disais j'ai été un usurpateur du nom pendant 18 ans. Maintenant, ça y est, c'est réglé. Alors, biérologie ou zytologie. En 99, à la sortie donc de ce diplôme, quand on me dit mais on va t'appeler comment ? Eh bien, moi, je n'avais effectivement zytologue, ça correspondait plus à ce que j'avais fait comme formation, hein, zytos grec, bière en grec, logos, étude ou discours. Mais je me disais, ça va être difficile. Déjà comme ça, quand on me présente simplement comme biérologue, ben, au premier rang, on a un petit sourire narquois. Au fond, là-bas, on rigole franchement. Qu'est-ce que ça va être quand on va annoncer les zytologues ? Donc voilà. Donc j'avais choisi le biérologue. Biérologie ayant été inventée par René Couteur dans les années 1996, donc quelques années avant. Alors, la biérologie, malheureusement, ils n'ont pas repris ma définition que je leur avais donnée bien des fois. Hein, la biérologie est une discipline nouvelle. Ce n'est pas la science de la bière. Hein, la science de la bière appartient aux brasseurs qui font la bière. Hein. Nous, c'est simplement une discipline qui explore et fait découvrir la bière dans tous les domaines où elle est concernée. Et si jamais vous avez un domaine que je n'ai pas exploré, bah donnez-le-moi pour qu'on l'explore ensemble. Hein. Donc, aussi bien histoire et géographie, etc., que technique. Hein, les biérologues que je forme, qui vont enfin venir me succéder, hein, ça y est, ils sont sur les rangs, savent faire de la bière. Hein. Moi, j'ai fait aussi une formation de bière commerciale. Aujourd'hui, si vous voulez, si j'apporte quelque chose en tant que biérologue à nos brasseurs, c'est parce que je vais les aider sur plusieurs points. Et c'est le thème de ma conférence de demain pour les professionnels. Qu'est-ce que le biérologue va vous apporter ? Et puis gustatif. Quand j'ai pris la parole en 99, pour pouvoir enfoncer mon petit coin de biérologue dans la poutre de la bière, eh bien c'était commencer par vous dire une bière, ça se déguste. Et c'est par là qu'on a commencé en mettant en valeur. Alors, maintenant le biérologue, pour répondre encore à Marie-Laure, le biérologue, quand on me dit bon, Monsieur Marziou, on sait que vous parlez trop sur la bière, on a besoin de vous poser une question et vous avez juste deux phrases pour répondre. Qu'est-ce que le biérologue ? Ben, le biérologue, il met en valeur le savoir-faire des brasseurs. Donc, il accompagne le brasseur pour pouvoir mettre en valeur ce savoir-faire et puis il met en valeur les bières qu'il élabore. Donc, c'est important, effectivement, de pouvoir amener la bière à différents moments gustatifs dont je l'ai dit tout à l'heure. On peut peut-être faire la distinction avec le sommelier de bière, puisque c'est une formation qui existe maintenant. Tout à fait. Alors, pendant longtemps, comme on a commencé, moi comme les autres, surtout sur le domaine gustatif, on nous a très souvent comparé à des sommeliers de la bière. Le sommelier de la bière est un peu comme le sommelier du vin, c'est-à-dire que son métier, ça va être de sélectionner des bières, de savoir les proposer, de savoir les servir et de savoir en parler. Alors que le biérologue que je suis et que les autres que vous avez sur ce salon ou ailleurs, vous pouvez très bien nous voir avec des céréaliers. On va déjà travailler les matières de base. Je suis très souvent sur les houblons en Alsace. Hein, chez les planteurs de houblon en Alsace. Nous avons beaucoup de jeunes brasseurs sur notre hexagone qui commencent à avoir des houblonnières expérimentales un petit peu partout en France, même dans des endroits où il y a 30 ans, j'aurais dit, c'est impossible de planter du houblon. Et on s'aperçoit que effectivement, on a de très très beaux houblons en Bretagne, on a des houblons dans le Var. Donc, ensuite, ça va être effectivement de travailler avec le brasseur, mais par exemple, j'ai des brasseurs qui me disent, pouvez-vous me donner ce qui va être la base d'une recette de bière ? Et ça, ce n'est pas le travail du sommelier. C'est par exemple dire, je voudrais faire une bière d'automne, qu'est-ce que vous me conseillez ? Et moi, je vais décrire ce que, pour ce brasseur, je verrai comme bière d'automne.
En découlera ensuite les maltes d'orge ou autres céréales, les houblons que l'on utilisera, etc. Donc on va accompagner effectivement le brasseur dans ces différents... Vous savez, des brasseurs qui viennent me voir en me disant « Je veux faire tel style de bière, goûtez-la. » Et il est d'accord pour dire « Mais on est proche du style. Mais si tu veux vraiment faire ce style de bière, il va falloir aller plus loin sur telle et telle matière première ou dans ton élaboration. » Donc on va accompagner le brasseur, et puis à partir du moment où la bière est élaborée, bien là le champ est immense, puisque aujourd'hui on ne va pas se contenter de boire une bière pour se désaltérer, mais on va effectivement boire des bières différentes à différents moments de la journée, des saisons et de l'année, et puis on va accorder des bières avec ce que nous mangeons. Alors on peut faire des repas tout à fait simples, je dirais un burger et une bière, hein, et trouver le bon accord entre le burger que vous aurez choisi, et puis vous pouvez faire des repas très gastronomiques. C'était le ministre de l'Agriculture qui m'avait demandé de faire un repas entièrement à la bière au ministère, pour mettre en valeur justement à la fois des produits alimentaires français et des bières françaises. Et puis ensuite, vous avez, j'ai des ateliers par exemple sur bière et foie gras, bière et truffes, bière et coquilles Saint-Jacques, etc. Et un atelier bière et cigares. Donc vous voyez qu'on va pouvoir effectivement aller vers des éléments auxquels on n'a pas forcément pensé. Mais si on choisit bien, encore une fois, l'élément de base et puis la bière qui va avec, on peut faire des choses absolument extraordinaires. Le travail du biérologue dans cette mise en valeur de la bière, c'est d'aller porter la bière au sommet de l'État. Donc, vous voyez que je ne vous mens pas en disant que même à l'Élysée, j'ai été amené à faire une dégustation commentée. Et notre président actuel nous a déjà invités. Alors, moi, ce que je voudrais, en m'adressant à vous, c'est déjà vous dire, qu'êtes-vous venu chercher à Planète Bière ? Je crois que c'est important quand on prend la décision de venir, on prend son petit cahier en entrant. Voilà, vous voulez venir découvrir un ou des brasseurs. Vous voulez approfondir votre connaissance ou... À votre connaissance des styles de bière, hein, parce que on n'a pas encore suffisamment transmis ce qu'était un style, les styles de bière. Vous voulez venir uniquement pour voir des nouveautés, ou bien vous voulez repartir avec des coups de cœur et vous allez goûter systématiquement différentes bières en repartant pour vous dire et comment vous allez pouvoir réaliser toutes ces découvertes. Eh bien, en acquérant un savoir dégusté qui va vous permettre de déguster de la même façon les différentes bières que vous allez déguster, de façon à pouvoir les comparer entre elles. Hein, c'est important si vous voulez approfondir, je dirais, votre connaissance de la bière. Et puis, ce rituel, alors appelez-le rituel ou schéma, hein, ce rituel, il va vous permettre de mémoriser les bières que vous avez appréciées. Donc distribuer les feuilles, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez qu'on serve la première bière ? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Si, bien sûr. On va t'aider quand même. Hein. Alors, cette année, j'ai eu envie de vous faire travailler. C'est-à-dire qu'on va vous donner une fiche de dégustation, justement pour vous aider, je dirais, à avoir votre propre rituel. Si vous avez déjà l'habitude de goûter une bière en vous disant « j'attache de l'importance à tel et tel élément de la bière », surtout conservez-le. Hein, c'est simplement pour enrichir le rituel de ceux qui en ont déjà un, apporter une base de rituel à ceux qui n'en ont pas. On ne s'entend pas bien, donc j'aurais préféré vous donner la parole pour vous faire parler des sens. Hein. Donc on va utiliser effectivement nos cinq sens. Alors Louis, on ne va pas en faire l'exemple ici dans cette salle, mais pensez à quand vous avez une bouteille de bière, notamment une bouteille de bière à bouchon mécanique, hein, vous êtes un petit groupe de 8,
une personne ouvre une bouteille, on l'écoute et la bouteille va être ouverte peut-être très discrètement. Et puis la deuxième bouteille, vous la donnez à quelqu'un d'autre et la bouteille va être ouverte en faisant du bruit. Et si vous voulez, il y a toujours cette joie hein, de la bouteille qui s'ouvre encore plus quand vous avez les bières, notamment belges et certaines bières du nord de France avec des bouchons de liège. Hein. Et puis, là, vous aurez du mal, mais quand j'ai mon micro et un barman, je demande au barman de remplir un verre de bière, je mets mon micro près du verre et vous avez cette bière qui remplit le verre en faisant... Hein, et ça vous donne envie tout de suite de boire de la bière. Le toucher. Alors, le toucher, c'est avec ce verre, on n'a pas tellement, on ne va pas trop toucher, on va prendre le pied, on va tenir la jambe et on ne touchera pas la paraison dans laquelle la bière sera mise. Mais quand vous prenez votre verre de bière comme ceci, effectivement, hein, et le verre de bière que vous avez très souvent au comptoir, eh bien, vous le prenez, vous vous rafraîchissez avant même d'avoir bu votre bière. Je fais beaucoup de panels avec des buveurs de canettes. Moi, je dis encore boîte de boisson. Quelle est leur volonté quand ils ne veulent boire de la bière qu'en canette? C'est le contenant le plus froid à la main. Donc, quelque part, ils ont déjà cette sensation-là au toucher de se rafraîchir. Et puis, c'est le pchit à l'ouverture. Et après, tout ce que je vais vous dire, eh bien, ça ne les intéresse pas. Ni la mousse, ni la couleur, rien du tout. Hein. C'est vraiment les deux premiers. Alors que nous, on va surtout aller sur les trois autres. Comment fonctionnent nos organes sensoriels? Nos organes sensoriels, et là, j'ai pris l'exemple de l'odorat. Hein. Donc, vous allez, ensemble, nous allons porter tout à l'heure notre verre de bière à notre nez, hein, c'est là que nous avons notre bulbe olfactif, et vous allez voir que naturellement, il va y avoir des odeurs et des arômes qui vont être captés par ce bulbe olfactif et qui vont être transmis au cerveau. Quand le cerveau va recevoir ces stimuli, eh bien, il va les analyser, les interpréter, et puis... Il va, en fonction de la mémoire olfactive de chacun d'entre vous, eh bien, il va le reconnaître et il va s'exprimer. Si tout d'un coup, vous avez effectivement, vous reconnaissez par exemple un arôme de citron, ben vous allez dire citron, tout simplement parce que ce travail a été fait. Donc c'est important. Quand on me demande, mais on vous dit depuis... donc moi ça fait depuis 1994, on me dit vous avez un bon palais. Qu'est-ce que veut dire avoir un bon palais? Simplement avoir une très bonne mémoire olfactive et une très bonne mémoire gustative. Et j'ai eu la chance effectivement de voyager dès ma plus jeune enfance dans le monde entier et donc d'emmagasiner des arômes et des odeurs très très riches. Il y a une chose très très importante parce que l'exercice que je vais vous demander va être au départ un exercice très individuel. Chaque individu, chacun d'entre vous est différent dans le domaine de la perception des sensations. Donc ne soyez pas étonnés qu'à droite, vous ayez une personne qui va d'abord trouver un fruité particulier, à gauche un épicé particulier, et puis que vous êtes plutôt sur un maltais. C'est parce qu'en fonction de nos mémoires, on aura à chaque fois, je dirais, des éléments, mais qui vont se conjuguer pour finir. La palette aromatique d'une bière, elle sera ce qu'elle doit être. Donc faites attention, la physiologie, le domaine culturel, notre vécu joue un grand rôle dans l'interprétation de ces différents stimuli. Alors, pour que vous puissiez faire l'exercice que je vous demande, eh bien, il faut être... Je dirais qu'il y a une double difficulté. Vous devez à la fois être concentré sur ce que le cerveau va vous dire, parce qu'il ne vous le répétera pas, et en même temps, pour que le cerveau parle, il faut être excessivement zen. Il faut laisser à la porte de cette salle aussi bien ses joies que ses peines, ses préoccupations. Il faut que ce cerveau soit complètement libre pour que les stimuli l'amènent à s'exprimer par rapport à vos mémoires. Donc, soyez attentifs à vos sensations, soyez décontractés, spontanés, pour exprimer le mot ou l'image. Ce qui sera intéressant, c'est que si quelqu'un n'a pas le mot, et certainement qu'on va le dire, c'est sur la langue, mais je n'ai pas le mot, et bien à ce moment-là, exprimez l'image, et vous verrez que ça sera très intéressant. Alors, sur la fiche de dégustation que vous avez là, c'est exprès que je vous ai pris une fiche d'un concours. C'est le concours du Salon du Brasseur à Nancy.
Hein. Donc, on ne va pas remplir. Hein. Ça, ne mettez pas de... Enfin, mettez des notes si ça vous amuse. Mais surtout, la ligne longue qu'il y a devant appétence, c'est surtout pour que vous mettiez ce que vous ressentez à la vue. Hein. Donc, appétence à la vue, c'est simplement dire qu'il y a une belle mousse ou qu'il y a des petites bulles fines, etc. Hein. La couleur de la bière, est-ce qu'elle est transparente, est-ce qu'elle est trouble. À la ligne suivante, on met juste odeur, hein, odeur, arôme, perçu par l'odorat. Et là, essayez d'être le plus spontané possible pour pouvoir exprimer ce que le cerveau vient de reconnaître dans ce que vous venez de respirer. Le goût, c'est les saveurs en bouche que vous connaissez, sucré, salé, acide, amer, umami. Depuis une vingtaine d'années, nous avons une cinquième saveur, hein, c'est un mot japonais qui se traduit par savoureux. Hein, donc c'est quand vous avez cette impression en bouche. Par contre, quand vous parlez de la bière, que ce soit entre amis ou simplement parce que vous voulez avoir des fiches en fonction des bières que vous goûtez, il faut toujours parler de l'amertume. Hein, il y a deux choses. Il faut toujours parler de l'amertume, toujours parler de la pétillance. L'amertume, si vous n'avez pas, dans certaines bières, il y a du houblon, mais il n'y a pas d'amertume perçue. Eh bien, on note. Hein. Amertume non perçue. Et puis après, vous allez, et aujourd'hui, avec les IPA, vous pouvez aller sur des amertumes absolument extraordinaires. Pareil pour la pétillance. Toujours parler de la pétillance. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de pétillance ressentie en bouche que la bière n'est pas réussie. Vous avez des bières, on a facilement le mot en bouche, c'est plat. Non, c'est pas plat, c'est simplement que dans ce style de bière ou dans la volonté du brasseur, ce n'est pas d'éveiller la bouche par la pétillance. Par contre, vous avez des pétillances légères, moyennes, et puis vous avez des pétillances perlées et des pétillances très importantes. Si vous offrez une bière à un Américain, pensez que la Bud est excessivement pétillante. Elle a une pétillance de soda, hein, parce qu'on rajoute du gaz carbonique. Donc, les sensations tactiles. Ensuite, vous avez la persistance en bouche. Hein, donc, c'est la longueur que vous allez avoir sur cette bière en bouche. On en reparlera quand on fera. Et puis, vous avez la dernière ligne. Est-ce que cette bière que je vous fais goûter, elle vous donne une impression d'équilibre? Est-ce qu'elle est harmonieuse? Alors, on peut distribuer la première bière. Alors, la première, vous voulez que ce soit la Jeanlin. D'accord. Oui, alors, vous avez l'occasion dans ce salon de goûter, je dirais, de très, très nombreuses bières. Moi, j'ai fait mon choix pour cette première bière auprès d'un brasseur régional qui est connu, mais qui n'est pas connu pour ses nouvelles bières. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de découvrir cette bière. Jeanlin dans donc la brasserie d'Huic dans le Nord, est très connu, notamment pour sa bière ambrée, hein, mais n'avait pas travaillé ces dernières décennies, on va dire, c'est pas ces années, sur des bières telles qu'aujourd'hui, il y a un courant. Hein. Et donc là, vous allez voir... oui, c'est ça qu'on nous... Oui. Ils les ont donné en... Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, mettez la main sur l'étiquette. Alors, ceux qui servent, mettez la main sur l'étiquette, parce que j'aimerais bien que vous ne soyez pas, je dirais, influencés par l'étiquette quand vous allez goûter cette bière. Alors, pendant qu'on nous sert, moi, j'ai trois mots à vous offrir. Hein? Oui, très bien, merci beaucoup. J'ai trois mots à vous offrir qui sont confiance. Hein? Faites-vous confiance. Hein? N'ayez pas peur de dire, mais moi, je sens ceci. Hein? Parce que c'est véritablement le mot que le cerveau vous a proposé. Ensuite, soyez spontané. Plus vous serez spontané et plus vous serez proche de cette palette aromatique auquel on va donner des noms par nos sens, mais on peut aussi aller le conforter auprès du laboratoire. Hein, quand je dis ça sent le fruité et que ce fruité c'est du citron, on va pouvoir effectivement aller chercher les molécules. Et puis, soyez authentique. Hein, c'est votre émotion à vous, c'est pas l'émotion du voisin ou c'est pas l'émotion de ceux que vous avez dû lire. Je suis en train de penser que je pourrais vous...
à l'entrée, vous avez Bière Magazine. Si vous voulez vous entraîner, hein, quand Bière Magazine paraît tous les 3 mois, et vous avez à une certaine page, j'espère que je vais la trouver rapidement pour vous. Excusez-moi, je vais regarder le... J'aurais pu la préparer. Ah. Là, vous avez 12 fiches de bière. Vous n'allez pas plus loin quand vous achetez ou que vous recevez votre magazine. Vous regardez ces bouteilles et vous vous dites, j'ai envie de faire la fiche de dégustation d'une, deux, trois bières. Vous allez acheter les bières et vous allez les déguster. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez les déguster. Vous allez mettre sur votre feuille ce que vous ressentez. Et ensuite, vous reprenez votre magazine et vous allez regarder ce que un des meilleurs dégustateurs, Gilbert Delos, dit de cette bière. Ça vous permettra effectivement de vous comparer à un dégustateur sur une bière que vous avez aimée ou pas aimée, en tous les cas, dont vous avez fait vous-même la propre dégustation. Alors, tout le monde n'est pas encore servi. Alors, pour ceux qui ont été servis, on peut commencer par la première... merci beaucoup. Donc, l'appétence du verre. Quand vous avez ce verre devant vous, est-ce que vous avez envie de boire cette bière? C'est ça l'appétence, hein? C'est pouvoir parler de sa mousse. Je vois que certaines personnes ont un beau col de mousse, hein? Donc, cette mousse, sans problème, elle est blanche. Hein? Elle est à petit. Dans mon verre, elle est à petite bulle. Hein? Donc, on va pouvoir effectivement parler de la mousse, de la couleur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de cette couleur? Est-ce qu'elle vous étonne? Voilà, non, pas du tout. Hein. On est dans une bière blonde avec une certaine transparence. Une transparence, je dirais, de brasseur artisanal. Hein. On n'est pas dans une transparence, je dirais, complètement filtrée. Hein. Et dans mes notes de dégustation, je ne vais pas d'abord aller chercher la palette aromatique. Je vais d'abord aller chercher le bouquet de cette bière. Donc là, vous n'allez pas respirer les arômes dominants. Vous faites une traînée d'odeur. Est-ce que cette traînée d'odeur vous amène à dire un mot? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Est-ce que vous avez une impression d'un mot qui vient? Ce n'est pas les arômes dominants, c'est la traînée d'odeur. On est complètement dans le houblon. Hein, on est dans les herbacées. Herbacées, c'est le terme qu'on va employer quand on sent le houblon une fois qu'il a suivi toute l'élaboration de la bière. Hein. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à une récolte de houblon, vous verrez que les brasseurs prennent les petits cônes, les frottent entre les deux mains, et puis vous avez dans la paume donc la qualité de la résine. Donc c'est les résines amères qui vont nous apporter l'amertume. Et puis on va sentir les paumes et on va sentir effectivement les molécules aromatiques. Mais ce houblon, on va le mettre quand l'empattage bout. Donc nous n'aurons pas exactement les arômes que nous avons au moment de la cueillette. Et on va appeler ça herbacée. Ça a une odeur d'herbe coupée. Alors c'est pas forcément l'herbe de votre pelouse, mais c'est l'herbe que le paysan, quand il fauche son champ pour en faire du foin, vous avez cette odeur coupée très très fraîche qui est tout à fait caractéristique du houblon. Alors, allons maintenant mettre le nez au milieu du buvant et on va aller chercher les arômes principaux. Donc là, on a effectivement une palette aromatique intéressante. Faites attention, essayez d'avoir donc ce schéma dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous sentez un fruit, par exemple, partez d'abord sur l'idée que la palette aromatique de cette bière a du fruité. Ensuite, quand vous êtes sur ce fruité, quelle famille de fruits? Est-ce que c'est un fruit blanc, pomme, poire? Est-ce que c'est un fruit jaune, pêche, abricot? Est-ce que c'est un agrume? Est-ce que c'est un fruit rouge? Est-ce que c'est un fruit noir? Et à ce moment-là, nommez-le. Parce que si vous commencez par dire tout de suite le nom d'un fruit, vous fermez
votre cerveau à vous donner la richesse en fruité de cette bière. Donc là, on retrouve effectivement tout ce qui est herbacées, herbes coupées, hein, c'est très important. Ensuite, vous passez sur le fruité. Alors, quel fruité vous ressentez ? Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose au-dessus de cette bière ? Et ensuite. Allez-y. Quelqu'un se lance ? Il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose ? On a du flot, allez-y, pardon. Des agrumes plutôt acides, comme le citron. Tout à fait. Alors, on va avoir effectivement des agrumes. On va avoir, juste avant, je voulais dire, on a un tout petit peu de floral. Et en troisième position, on a des agrumes, effectivement. Donc, très bien. Commencez toujours par fruité, agrumes. Et puis ensuite, à nous de trouver, effectivement, en fonction de notre mémoire olfactive, ce que nous ressentons au-dessus de cette bière. Donc, une palette aromatique qui est riche, puisque nous allons sur plusieurs thèmes des possibilités d'arômes, hein, que nous avons. On va la goûter. Un verre de bière ne se goûte pas comme un verre d'eau, ni comme un verre de vin. Un verre d'eau, si vous vous observez la prochaine fois, vous verrez. Vous avez soif, vous prenez de l'eau, vous la projetez à ce niveau de la cavité buccale, c'est en fond de bouche, bas de palais, qu'on se rafraîchit le plus rapidement, qu'on a cette sensation de rafraîchissement. Le vin, même si vous n'avez pas fait de formation à la dégustation du vin, vous savez qu'il ne faut pas en prendre une gorgée trop importante, puisque vous allez promener cette gorgée en bouche pour parler de son bouquet, de ses arômes, de sa texture. Avec la bière, une franche gorgée. Alors faites attention, parce que j'aimerais que vous la buviez en deux fois, et on ne vous en a pas donné beaucoup. Moi, dans ma formation, c'était 25 centimes. En trois fois. Ça, aujourd'hui, je ne peux plus. Hein, je ne peux plus exiger ça, même de mes étudiants. Donc, une franche gorgée, il faut que la bière touche la totalité de la cavité buccale et vous allez aller rechercher les saveurs fondamentales constitutives du goût. Donc, le sucré, le salé, l'acide, l'amer ou le savoureux. Quand vous avez cette bière en bouche, quelle impression vous avez au niveau des saveurs fondamentales ? Cette fois-ci, je vous laisse la parole. Marie-Laure, allez-y. Alors, qui se lance ? Vous avez le choix. Vous avez l'air d'avoir des idées. Vous avez le choix entre 5 mots. Hein ? Donc, il y en a un. Il y a... Amer. L'amertume, on me dit ici. Tout à fait. Dans cette bière, l'amertume est particulièrement... je dirais prépondérante, hein. On est vraiment avec une bière qui a une belle amertume. Alors certains d'entre vous qui aiment l'amertume peuvent très bien me dire, mais on a goûté telle ou telle bière qui est beaucoup plus amère, hein. Là, c'est une amertume qui vous prend la totalité de la cavité buccale. Elle n'est pas à un endroit précis de la bouche, hein. Vous l'avez jusqu'au bord des gencives. Elle a vraiment, aussi bien sur la langue que sur le palais, vous avez cette amertume. En termes de saveur, donc vous avez encore le choix entre 4 autres mots. Est-ce que vous trouvez du sucré, du salé, de l'acidité ou bien umami ? Quelqu'un a envie de répondre à cette question ? Alors, cette amertume, je vois pas de doigts qui se lèvent. Non, mais ils sont fatigués quand même. Ils sont fatigués. C'est la fin. C'était une grosse après-midi. Voilà. Ils ont beaucoup dégusté, donc, alors les papilles sont peut-être saturées. Tout à fait. Donc, cette amertume, elle va être effectivement équilibrée par une toute petite douceur apportée par les maltes. Hein. Donc, on n'a pas véritablement du sucré, mais on a quelque chose qui apporte une douceur qui va équilibrer cette amertume. Et puis, vous avez une toute petite pointe d'acidité que vous pouvez sentir notamment en bas de bouche, tout à fait. Hein. Sensation tactile. Alors, c'est pour ça que je disais, il faut prendre deux. Il faut calculer sur deux gorgées. Donc, vous reprenez une gorgée pour ceux qui en ont encore un peu. Et là, vous vous concentrez sur le sens du toucher de la totalité de la cavité buccale. Donc, des 10 000 papilles que vous avez sur la langue, la muqueuse de l'intérieur des joues, le palais. Et qu'est-ce que vous... Et donc, cette bière va vous parler en termes de toucher. Et qu'est-ce que... Est-ce,
que l'un ou l'autre d'entre vous a une impression quand il a cette bière en bouche. On échange, c'est bien, c'est la pétillance. C'est ce que vous aviez trouvé ? La pétillance. On a effectivement là, donc, le gaz carbonique contenu dans cette bière qui se dissout au moment où on met la... Et vous la trouvez assez importante. Elle est, en tous les cas, elle est très présente dans ce sens que, quelque part, elle ouvre le palais. Toujours dans les sensations tactiles, la texture de cette bière. Vous avez des textures qui vont être, et là vous avez de très très belles bières qui ont des textures très rondes, voire même sirupeuses, etc. Là nous sommes au contraire dans une texture très fluide. Il n'y a absolument pas d'aqueux en bouche, mais on a quelque chose de fluide. Et puis sur la longueur en bouche, on va terminer pour cette première bière sur la longueur en bouche. Qu'est-ce que vous ressentez encore tous maintenant que vous avez bu cette bière ? L'amertume. Donc, on a une longueur en bouche supportée par l'amertume. C'est habituellement, quand la longueur en bouche est portée par l'amertume, c'est la plus longue longueur en bouche que vous aurez, la plus longue persistance. Et puis, vous pouvez retrouver, et nous retrouvons par exemple là, plus facilement dans la longueur en bouche, ce que monsieur a dit tout à l'heure sur les agrumes. Vous avez comme un zeste d'agrumes qui accompagne cette amertume. Alors, pendant qu'on... Tu me dis... Il nous reste 15 minutes. Oui. On va distribuer la deuxième bière. Et je vais donc vous donner, pendant qu'on distribue, quelques mots sur la dégustation. Donc là, vous voyez, ce qu'on a vu, c'est qu'on a toujours des céréales. Mais dans cette bière... Ah, puis je ne l'ai pas présentée. Je n'ai pas présenté la bière. Donc on me redonnera une bouteille de celle qu'on vient de boire. La première. Je vais vous la chercher. Donc... Quand je dis céréales sur une bière, ça peut très bien être simplement une mémoire que vous avez parce que vous avez été au moment de la moisson sur un champ d'orge. Ça peut être tout simplement une bouillie de céréales qui envahit l'odeur de la maison quand on fait une bouillie chez soi. Et puis ça peut être aussi des céréales torréfiées à différents moments. On va torréfier très... On devrait d'ailleurs pas employer le mot torréfier. Le grain d'orge que l'on a fait germer, on va arrêter la germination par un courant d'air chaud et on aura un malt séché qui sera très peu, très très clair. Et puis après, en fonction de la température, on aura des malts blonds, des malts caramel, des malts ambrés, des malts bruns, des malts noirs. Donc on arrivera effectivement sur du torréfié. Ensuite, l'herbacée, je vous l'ai déjà dit, donc le houblon va essentiellement... Alors le houblon apporte des molécules aromatiques. Comme monsieur a dit tout à l'heure, agrumes, c'est parce que dans cette bière que je ne vous ai pas présentée, la voilà, c'était donc une IPA, une Amber IPA de chez Jeanlin. Donc on va avoir effectivement... j'en étais où ? Je ne sais plus où j'en étais. On était sur le houblon. On parlait du houblon et des notes fruitées florales. Merci Marie-Laure. Alors, sur le fruité, pensez à toutes les familles de fruits. Laissez toujours votre cerveau vous dire ce qu'il ressent. Mais si vous cherchez, eh bien, essayez toujours d'avoir ce schéma fruité. Quelle famille de fruits, quel fruit je ressens. Comme ça, si vous avez dans votre bière, et ça arrive de plus en plus, des brasseurs qui vont mettre plusieurs houblons, vous aurez forcément des molécules aromatiques de fruits très très différents et de différentes familles. Florale, alors là j'ai mis ensemble parce que je n'avais pas assez de place, mais c'est des éléments quand même tout à fait différents. Le floral, vous pouvez très bien avoir des fleurs très discrètes, un peu comme ces fleurs sauvages de printemps. Actuellement, quand on se balade à la campagne, vous allez avoir de l'acacia, vous allez avoir du sureau, du troène, etc. C'est des odeurs de fleurs blanches très très légères. Et puis au contraire, vous pouvez avoir des odeurs de fleurs très capiteuses. Donc encore une fois, le boisé. Alors, ce qui est intéressant avec le boisé, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des bières qui sont en garde dans des tonneaux de bois, et donc vous allez avoir des bières qui vont avoir ce boisé du tonneau de bois. Mais
vous pouvez très bien avoir une sensation de boisé sans que la bière ait été dans le bois. Hein, c'est tout simplement, je dirais, dans la cuisson et dans le choix des houblons. Pareil pour le résineux. Les Américains ont des variétés de houblon qui apportent toujours des molécules aromatiques faisant penser au pain, à la résine, au pain PIN, etc. Des arômes plus discrets comme le beurre. Quand une bière sent trop le beurre, ben c'est plutôt un défaut. Par contre, vous avez certains styles, comme par exemple les Pils de Pilsen, qui ont ce tout petit arôme légèrement beurré. Brioche, là on rejoint les céréales, si ça sent la brioche. Certaines bières, et notamment les bières de blé, vont sentir la levure. C'est souvent difficile si on n'a pas soi-même travaillé de la bière ou respiré de la levure alimentaire. Des sucrés, alors je garde le mot sucré pour la saveur fondamentale. Au nez, je vais plutôt dire, mais tiens, on dirait que c'est des sucres cuits. C'est comme quand on fait du caramel ou bien c'est du miel. Et puis vous avez des odeurs iodées, des odeurs saumurées, moins souvent. Et puis vous avez une odeur qu'on retrouve terre fraîche, champignons, cave, sous-bois. Donc quelques éléments pour vous permettre, je dirais, d'aborder la deuxième dégustation. En ce qui concerne les odeurs et les arômes. En ce qui concerne les saveurs, on ne revient pas dessus. Un sucré, salé, acide, amer, umami, ça c'est quelque chose que vous possédez. Par contre, ensuite, n'oubliez pas qu'à côté de la pétillance, on peut avoir de l'astringence. L'astringence, c'est tout simplement quand vous avez des tanins dans votre bière qui viennent obstruer les glandes salivaires. Vous avez un réflexe, je dirais, de la muqueuse de la bouche qui va resserrer les tissus pour les expulser. Et c'est ce qu'on appelle l'astringence. Ça peut être aussi une impression d'âpreté en bouche. Quand vous avez une bière, quand vous avez une chaleur tout d'un coup qui se dégage en fond de bouche, dites-vous que cette bière qu'on vous a offert doit être particulièrement alcoolisée. Donc attention, si on doit prendre le volant ensuite. Vous pouvez avoir une sécheresse en bouche. Alors là, c'est différents facteurs, notamment quand, par exemple, dans la bière, le brasseur a mis, en plus du malt d'orge, du seigle. Vous aurez un petit peu de sécheresse en bouche. Quand vous avez des bières où tous les sucres ont été transformés en alcool, vous aurez un petit peu de sécheresse. Et puis piquant, ben ça c'est lié à des ajouts. On a des bières au piment d'Espelette, on a des bières carrément beaucoup plus piquantes. On a des bières légèrement aigres. Alors aujourd'hui, sur le salon, vous pouvez goûter des bières comme Saour. Donc c'est intéressant. C'est des bières effectivement dans lesquelles, soit avec la levure, soit avec l'élaboration, on laisse se dégager quelques arômes lactiques ou acétiques. Là encore, il faut des brasseurs très très expérimentés pour que ce soit complètement réussi. Et puis vous pouvez trouver du métallique. Le métallique, c'est pas forcément parce qu'il vient de votre canette de bière. Le métallique, c'est très souvent ressenti comme une acidité. Voilà. Alors, on va passer à la dégustation de la deuxième bière. Du coup, je ne vous ai même pas demandé si vous aviez noté quelque chose ou pas, mais n'hésitez pas à partager avec moi. Alors, j'ai renversé la fin parce que cette bière, au moment où on la sert, on a tout de même une très très belle mousse. On a une mousse très foncée. Donc, toujours faire attention à ce que la mousse soit en relation avec la bière. Si par exemple sur cette bière noire, j'avais une mousse blanche, je me poserais des questions. La mousse, c'est une bulle de gaz carbonique habillée d'une membrane. La membrane, c'est la bière. Donc vous ne pouvez pas avoir une mousse qui a la couleur de votre bière, mais si votre bière est brune, eh bien cette membrane, aussi fine soit-elle, apportera un peu de couleur. Vous voyez là, par exemple, on a déjà une différence entre les deux mousses que nous avions, avec l'IPA qui est une mousse très aérée, et là une mousse crémeuse au moment où on la sert.
vous avez des petites bulles encore plus fines, et puis là, vous avez une couleur que j'appelle noir de G. Je ne sais pas si vous avez noté une couleur pour cette bière, mais on est vraiment sur un noir particulièrement dense. Alors, est-ce que vous avez fait l'exercice du bouquet ? Est-ce que vous avez une idée de ce que... Par exemple, les personnes qui rentrent dans cette salle, alors on n'a pas de plafond, c'est pas évident, mais la personne qui rentre dans cette salle, elle dit, ben là, ils boivent de la bière, bon, déjà, hein, ça c'est sûr. Mais quelle est l'odeur qu'il peut avoir dans notre salle ? Du café, je pense. Du café. Oui. Donc là, on est dans le torréfié, proche du café. Est-ce que quelqu'un d'autre a pensé à autre chose ? Le caramel. Au nez. Caramel. Caramel, oui. Oui, tout à fait. On peut aussi penser au chocolat. Alors, allons chercher maintenant la richesse de cette palette aromatique. Pour les personnes qui veulent vraiment approfondir ce qu'elles peuvent aller rechercher dans leur mémoire, fermez la narine droite, je vous montre la narine, et respirez par la narine gauche. Voyez si ça vous apporte un mot de plus ou une idée de plus. Fermez ensuite la narine, mais pas les deux narines à la fois, et la narine gauche. Les mémoires olfactives se font en fonction de notre respiration qui est binaire. Donc ça fait toujours rire quand on le dit pour la première fois. Quand je suis sur un cours qui dure plusieurs jours, on s'aperçoit, je dirais dans la demi-journée qui suit, qu'effectivement, on va retrouver plus facilement certains arômes à droite qu'à gauche ou à gauche qu'à droite. Donc, là, on a une palette aromatique qui est particulièrement riche. Donc, on peut aller sur pas mal de choses que vous avez déjà évoquées. Alors, à côté du café, est-ce que vous avez d'autres torréfiés ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir d'autres torréfiés ? Là, on a des céréales torréfiées. Hein ? Oui, tout à fait. Hein, très, 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 très importante, du malt torréfié. À côté du, on a dit tout à l'heure, caramel, par exemple. Là, vous avez plusieurs variations de caramel. On a même un caramel qui donne une impression un peu... Vous savez, quand vous faites vous-même votre caramel, vous êtes tout d'un coup sollicité, 3 secondes de trop, et vous avez quelque chose... On va dire, mon caramel est brûlé. C'est pas vrai, il est resté blond. Mais il a cette odeur d'avoir eu un petit coup de chaud de trop, que vous retrouvez là. Qu'est-ce que vous trouvez d'autre ? Est-ce que quelqu'un avait dit... on a quelque chose dans la noisette, je trouve. Non, personne ne l'avait dit. Alors, vous avez quelque chose de très subtil dans la famille des fruités. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? On est dans la famille des fruités, on serait plutôt sur un genre de pruneau à l'alcool qui est présent là, un petit peu, ou bien la griotte enrobée de chocolat. Le Mon Chéri, je ne sais pas si les jeunes mangent encore du Mon Chéri. Si, ça existe encore. Bon. Donc voyez que là, on va aller sur véritablement différents éléments très très riches. Alors, en bouche. En bouche, qu'est-ce qui vous frappe ? Vous avez envie de parler de quoi en premier ? Des sensations tactiles. Vous avez une attaque en bouche qui est sucrée, qui est douce, qui est moelleuse, avant de pouvoir aller sur... Excusez-moi. De l'épaisseur de la bière ? Effectivement, c'est le deuxième élément. Le premier, c'est douceur. Le deuxième, c'est la texture. Donc, vous voyez que par rapport à ce qu'on a dit sur l'Amber IPA de tout à l'heure, là, on n'est pas du tout
d'abord porté à parler des saveurs fondamentales, mais on est d'abord amené à parler des sensations tactiles, hein, tout à fait. C'est une bière qui va développer ensuite son amertume. Hein, si on s'était tout de suite arrêté à la première seconde de mise en bouche, on aurait été vraiment sur la douceur, etc. Alors que on se rend compte que les secondes qui passent nous amènent effectivement une amertume importante, hein, tout en restant. On n'a pas encore parlé des arômes de rétro-olfaction. Pourquoi les dégustateurs de bière ne recrachent pas la bière? C'est tout simplement qu'on a envie de la boire. Hein. Je vois votre sourire que c'est ça que vous voulez dire. C'est vrai qu'on a envie de la boire. Mais c'est surtout qu'on va laisser des arômes remonter. Ce sont des arômes qu'on appelle des arômes de rétro-olfaction qui viennent se redéposer sur les fosses nasales. Et par exemple, là, sur cette bière, moi, j'ai un arôme de rétro-olfaction important, réglisse, que je n'avais absolument pas en me concentrant au niveau de l'odorat. Donc vous voyez que c'est intéressant. Alors, les sommeliers de vin disent qu'en promenant le vin en fond de gorge, ils peuvent recracher et parler des arômes de rétro-olfaction. On a tout de même une palette très très riche avec la bière, donc c'est plus intéressant effectivement. Et là, est-ce que vous avez une longueur en bouche? J'ai essayé d'avoir deux bières différentes parce qu'on a une longueur en bouche très différente sur cette deuxième, puisqu'on va rester sur cette première impression que vous avez tous eue sur le moelleux, hein, de cette texture qui n'est pas saturante. C'est là la réussite de ce brasseur, c'est qu'on aurait pu avoir quelque chose en se disant, bon, une fois qu'on en a bu une ou deux gorgées, bon, basta, on a goûté sa bière. Alors que là, on a envie d'en reboire parce qu'on a quelque chose qui reste très très fin malgré la richesse en arômes et la richesse en sucré et en moelleux. Donc là, c'est notre brasseur Lagunitas. Donc là, nous sommes sur un Imperial Stout qui fait tout de même 9,9 degrés. Hein. Donc, chaque fois que vous avez le mot Imperial, vous avez une bière qui est forte. Hein, c'était les bières qu'on appelait impériales, on ne les trouvait pas dans le commerce au 19e siècle. C'était des bières qui étaient faites à Londres pour la famille royale, la famille impériale russe. Mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient tous des descendants de la reine Victoria. Donc, les bières, pour eux, les bières venaient donc de Londres et elles étaient très, très fortes. C'était pour remplacer la vodka, mais enfin bon, c'était quand même encore à des 10. Alors, faites attention parce que vous avez, par exemple, actuellement sur le marché avec une brasserie norvégienne, une bière de blé. Vous aimez la bière blanche, on dit plutôt blanche en France. Cette bière de blé, habituellement, elle fait entre 4, 5 et 5. Hein, donc, vous rafraîchissez, vous en buvez une pinte et vous êtes en pleine forme. Bon, cette bière-là, Imperial White, elle fait 10,2. Donc, faites attention à ne pas vous dire « je me rafraîchis », parce que si elle est froide, effectivement, vous allez vous rafraîchir. Par contre, vous absorberez l'alcool. Donc, chaque fois que vous avez Imperial, c'était des bières... Moi, dans ma jeunesse, on n'arrivait pas à trouver d'impérial. Aujourd'hui, vous avez un nombre impressionnant de brasseurs qui retravaillent effectivement ce style de bière. Alors, je vous ai juste mis là quelque chose qui va vous effrayer parce que malheureusement, je ne peux pas le mettre en plus grand. C'est pour essayer de vous donner une idée des styles de bière. Donc, si vous voulez, vous avez deux grands styles là. Hein, c'est les bières de fermentation basse, donc des levures qui vont travailler à des températures entre 5 et 12 degrés et qu'on appelle lager ou pils. Et puis vous avez la ale avec des levures de fermentation haute qui vont donc fermenter de 15 à 25 degrés, peut-être à 30 degrés à Babylone il y a 2000 ans. Hein. Et donc à partir de là, toutes les bières que vous allez goûter, on va les retrouver. Même les lambics et les gueuses, hein, sont des bières de fermentation haute, même si les levures sont des levures sauvages dans l'air. Hein. Donc avec ce tableau que vous retrouvez sur Internet, eh bien, vous pouvez effectivement relier la totalité des bières que vous pouvez goûter sur ces deux fondamentaux, bière de fermentation haute, bière de fermentation basse. Par contre, c'est vrai que
dans mes cours à mes élèves, je vais quand même toujours parler au minimum de trois fermentations, hein, fermentation basse, fermentation haute, fermentation spontanée pour les gueuses. Et là, vous avez des brasseurs belges qui vous offrent à la dégustation de très très belles gueuses. Et puis, vous avez des bières de fermentation mixte. Donc, le brasseur va prendre le temps de faire deux fermentations successives. Si, par exemple, vous avez Jeanlin, par exemple, dans sa bière Humeur de brasseur, va faire une fermentation haute qui laisse des sucres, une fermentation basse qui va les transformer. On a la richesse qu'apporte une fermentation basse et la finesse qu'apporte une fermentation haute et la finesse de la fermentation basse, et vous avez effectivement des bières intéressantes. Et puis la dernière fermentation à laquelle vous devez penser, c'est la refermentation en bouteille, puisque nos jeunes brasseurs n'ont pas toujours la possibilité de conserver le gaz carbonique formé à la fermentation principale, donc ils vont effectivement faire une refermentation en bouteille. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Laure, de m'avoir accompagnée. Merci, Hervé, pour cette présentation toujours passionnante. C'est moi aussi, je vous applaudis parce que vous avez été très intéressée. Donc, c'est toujours intéressant pour nous de voir qu'on a les regards qui nous parlent. On se dit à l'année prochaine, en tout cas pour le grand public. On compte sur vous. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez à la librairie une toute petite boîte avec six petites bouteilles avec les arômes principaux de la bière. Vous avez des livres, je dirais, elle est très très bien achalandée cette année, donc n'hésitez pas pendant votre temps de brasseur de Planète Bière de vous arrêter une petite minute à la librairie en entrant. Merci. Merci encore et bonne fin de salon. Donner à part. Super conférence.